Bonjour. Allô, attendez une petite seconde. Non, ça devrait être bon. Vous avez vu, c'est le mois de décembre et j'ai réinvité ma copine Licorne, qui était là déjà la semaine dernière, l'année dernière. Et voilà, elle va venir avec moi pour faire le live. Donc, vous êtes bien chez Artiscrap, Isabelle Amara-Clichon, démonstratrice en pin-up dans les Yvelines, à Orphin, à côté de l'Eure-et-Loir. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais avoir le plaisir et l'honneur de vous montrer comment faire cette carte. Alors, c'était une carte que nous avions faite. Enfin, moi, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est une de mes filleules qui l'a faite. Pendant la réunion de lignée de ma marraine Sandra Christelle. Et alors, elle ne fait pas de live, en fait, elle ne fait pas d'atelier, elle est démonstratrice juste pour son plaisir, pour aussi le plaisir de retrouver des copines, soit en live, soit en vrai. Et du coup, Sandra et elle m'ont dit, mais Isabelle, comme c'est moi qui ai gagné, enfin c'est Séverine qui a gagné. Le petit concours que Sandra a, enfin un concours, un vote hein, pour trouver la plus belle carte. Est-ce que tu pourrais montrer sur ta page, puisque moi, ben, je fais des ateliers, je fais des lives, et voilà. Donc du coup, je vais avoir le plaisir de vous montrer comment faire cette carte aujourd'hui. Alors attendez, je vais voir vos petits commentaires. Bonjour Anita. Bonjour Artilicorne. Ah ouais, c'est pas mal ça, Artilicorne. Bonjour Hélène. Voilà, donc pour faire en fait l'astuce, c'est pour faire la couronne ici. Vous voyez, pour celles qui ont le Stamparatus de Stampin' Up, c'est un outil qui est vraiment très utile. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui. Enfin, il est utile dans pas mal de domaines, mais voilà. Donc, n'hésitez pas à faire un petit coucou quand vous arrivez. Alors, j'ai tourné ma caméra dans un autre sens aujourd'hui parce que j'ai de plus en plus de participantes à mes ateliers. J'ai dû rajouter une table la semaine dernière qui va rester pour mercredi prochain aussi, parce qu'on va faire les petites boîtes avec le chalet, les petites boîtes, enfin assez grandes les boîtes. Voilà, donc je vais vous parler aussi, en dehors du Stamparatus, d'une petite collection éphémère qui sort en fait. Alors, où est-ce que j'ai mis? C'est là, c'est derrière. En fait, à vrai dire, vous pouvez acheter en avant-première du catalogue janvier-juin. Cette collection, enfin c'est un lot à vrai dire, c'est un lot qui comprend donc les poinçons qui sont là, pardon, les poinçons et les tampons, ou alors que les tampons et que les poinçons. Ça s'appelle Jardin d'Éden. Et ce qui est en fait en éphémère, c'est tout ce qui est papier à motif. Voilà, on a des papiers à motifs Eden toujours en série limitée. Voilà, moi j'ai fait une mini collection pour celles qui sont intéressées. Hein, voilà. Si vous êtes intéressé, demandez-moi, je publierai sur ma page en quoi consiste cette mini collection dans la limite des stocks disponibles, bien sûr. Voilà, donc c'est avec ces. Les papiers et d'autres accessoires qu'on avait créé des cartes. Je vais vous montrer celles que j'avais créées moi. Donc une petite carte comme celle-ci. Est-ce que vous voyez bien? Voilà cette petite carte. Toc. Et j'en avais fait une autre à un format plus traditionnel. Coucou Marido! Coucou Brigitte, la licorne argent élite, oui, merci, ben c'est grâce à vous, les clientes, c'est grâce à mes filleules également que je suis devenue argent élite chez Stampin' Up. C'est une étape qui fait plaisir et qui en fait vient, allez, on va dire que ça vient.
pas couronné parce qu'on peut aller encore plus loin, le travail qu'on a pu accomplir pendant une année, on dit argent-élite. Je vous expliquerai si ça vous intéresse. Voilà. Alors, voilà l'autre carte que j'avais faite. Voilà, pendant la réunion de lignée de Sandra. Et je vais vous montrer aussi quelques cartes rapidement qui ont été faites avec cette collection-là. Donc, c'est toujours ma petite filleule Séverine qui m'a offert cette très jolie carte. Elle m'en a offert une énorme aussi, une magnifique. Regardez, regardez, regardez. Waouh, hein? Waouh! Et j'ai encore une carte à vous montrer. C'est un échange. Parce qu'en fait, avec d'autres scropines démonstratrices, chaque mois, nous échangeons des cartes. Donc là, en ce moment, on est dans des petits groupes de quatre personnes. Donc on fait quatre cartes. Enfin, moi, j'en fais une que je garde pour moi. J'en envoie trois et j'en reçois trois. Et donc ça, le mois dernier, ça, c'est Martine. Voilà. Allez, assez discuté, Isabelle, on va passer aux choses sérieuses. Donc, allons-y, c'est parti, mon kiki. Je vais hop, retourner ma caméra. Alors, attention. Non, comme ça va pas. Et comme ça devrait aller. Voilà, donc alors, on va commencer par préparer la base et ensuite on va utiliser notre Stamparatus. Alors, moi, pour ma base de cartes qui est ici, la carte d'aujourd'hui. Alors, moi, je n'ai pas acheté le lot Jardin d'Éden que je vous ai montré à l'instant, mais j'ai acheté les papiers, j'ai acheté les petites bidouilles à coller. Qu'est-ce que j'ai acheté encore? J'attends le papier coton. Poum, poum, poum. Mais alors, j'ai utilisé pour copier la carte de Séverine ce lot, enfin plutôt les tampons qui s'appellent Saison étincelante. Alors, ils doivent être comment dire, en déstockage, là, en ce moment, dans les soldes. J'ai pas vérifié s'il y en a encore, s'ils étaient soldés. C'est pas bien du tout, je sais, mais voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé ce lot. On a, en fait, des poinçons avec différentes couronnes, comme ça. Donc, il y en a pour l'automne. J'avais fait plusieurs cartes automnales avec. On a une petite couronne avec des étoiles et on a une autre plus grande couronne avec des branches de sapin et quelques feuilles de houx. Et donc on peut rajouter avec les poinçons et les tampons tout un tas de petites jolies choses. Donc pour commencer, on va prendre. Alors moi j'ai déjà coupé une feuille de blanc simple en deux et je vais la plier à 10,5. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui me fait? J'ai un petit message sur mon ordi. Toc. Mais j'ai déjà répondu à ces messages. J'ai dit que ça m'intéressait pas. Ah, le tampon, tu parles du. Ouais, les tampons Eden, Brigitte. Ouais, en fait, ils sont super jolis et je me rends compte que pour recréer la même carte que Séverine, eh ben, c'est pas aussi joli avec le set de tampons que j'ai utilisé. Surtout qu'elle a fait vraiment un petit motif. Oh, zut, j'ai une petite gemme qui est venue se décoller. C'est pour ça que j'aime bien garder les petits emballages. Alors, je suis en train de réfléchir à une solution pour ranger facilement toutes les petites gemmes et les trucs à coller. C'est en ébullition en ce moment dans ma tête parce que voilà, j'ai vraiment besoin de les ranger de façon pratique. Et voilà, mon cerveau est en train de me fabriquer un truc. Coucou Virginie, j'espère que tu vas bien.
Ça fait plaisir de te voir. Bah oui, en fait, hein, comme voilà, maintenant je fais un live par mois. J'ai beaucoup d'ateliers en présentiel, du coup. Mais une fois par mois, ça fait quand même pas beaucoup. Faudra que je réfléchisse peut-être à quelque chose pour vous voir un petit peu plus souvent en live. On va voir. Alors, donc on a un matage en papier or, papier métallisé or. Alors, le papier métallisé or, il est au catalogue annuel, mais on a aussi un assortiment de papier métallisé brossé qui est au catalogue saisonnier et qui est prolongé. On pourra encore les commander après le 3 janvier. Coucou Andy! Voilà, donc là c'est celui du catalogue annuel et on va faire notre matage et c'est à donc 10 cm ici 10 cm sur 14,3. 14,3. Voilà. Ensuite, je prends une feuille de papier à motif. Alors, pour changer un petit peu, je vais prendre celle-ci et non pas celle-là. Alors là, on a des tout petits points dorés qui sont très discrets et qui sont vraiment adorables. Très élégants. Donc là, cette fois-ci, je vais couper à 9,5 cm. Sur 13,8 ou 13,85. Voilà. Alors ensuite, voilà, j'ai ma base ici, comme cela. Ensuite, on va préparer, et je n'ai pas apporté de petite chute de papier blanc, et heureusement, c'est pas loin. Voilà, donc j'ai une chute de papier blanc et je vais prendre. Alors en fait, je vais déjà préparer mon papier ici. Là, c'est le vert épinette enivrante. Et moi, cette fois-ci, je vais changer un petit peu et je vais prendre le soyeuse succulente. Alors, soyeuse succulente. Lui aussi, eh bien, il n'était pas prêt. Soyeux succulent, le voilà. Et là, en fait, c'est un carré qui fait 6 de côté. Coucou Françoise, tu vas bien? Dis donc, on dirait que tu veux la gagner, la mini-machine de découpe, hein? Quelque chose me dit que tu es vraiment au taquet, hein? T'as invité le banc et l'arrière-banc des amis à voter pour ta création. Alors en fait, il y a peu de temps, j'ai atteint les 1000 j'aime sur ma page et j'ai proposé à mes clientes de m'envoyer une photo d'une de leurs créations Stampin' Up. Et avant-hier, je les ai publiées et on peut voter pour la création qui nous plaît le plus. Enfin, moi, je ne peux pas voter, hein, parce que voilà. Mais vous pouvez voter pour votre création préférée. Et en fait, les personnes. Alors, vous n'avez pas été très nombreuses à m'envoyer des photos. Je ne comprends pas. Il y en a qui ont été timides. Ou elles se disent, bon, non, moi, je n'aurai pas de chance de gagner. Mais si, mais si. Voilà. Donc, petite parenthèse. Ah, t'es à fond, t'as partagé partout, partout. Tes amis ont partagé aussi. Oh, incroyable! Ah ouais, alors si tu gagnes pas le truc, oh là 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 là! Dis donc, dis donc, dis donc! Voilà, donc 6 sur 6 pour ce petit carré. Ensuite, je vais vous montrer
Ce qu'on va devoir préparer, c'est un gabarit pour pouvoir faire notre motif en couronne. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Voter pour les coquelicots, je ne dis rien parce que moi, je suis totalement impartiale dans cette affaire. Voilà. Donc, voilà, on va préparer un gabarit. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a, comment dire, j'ai vu passer une grande feuille avec justement des petites étoiles de toute taille qui ont été imprimées. Donc ça, si vous n'avez pas ce document, je peux me le procurer et vous le mettre au téléchargement dans l'article de blog qui aura lieu, qui sera publié, pardon, demain. Sinon, moi, la façon que j'ai apprise quand j'ai démarré avec le Stamparatus, c'est de se faire un gabarit comme ceci avec des poinçons. Alors, je sors mes poinçons carrés et les voilà. Et donc là, je vais prendre mon poinçon qui fait 5,5 de côté. Alors, il doit être plus petit que celui-là. Donc, eh bien, les amis, c'est celui-là. Donc, voilà. Je prépare un morceau de papier cartonné. Ben, je vais prendre celui-ci puisque je l'ai sous la main. Alors, attendez, je vais juste vérifier que la caméra est bien centrée ici. Voilà. Donc, je vais mettre mon papier cartonné sur. Attendez, on va faire comme ça, vous allez mieux voir. Voilà. Donc, je mets mon papier cartonné ici. Je vais mettre mon poinçon carré. Je vais découper. Et ensuite, je le tournerai comme ceci pour créer l'étoile. Donc, on peut se faire des gabarits de quasiment toute taille avec les poinçons. Sinon, effectivement, je vous donnerai au téléchargement demain dans le blog, eh bien, la feuille à imprimer et à plastifier pour utiliser un petit peu différemment. Mais moi, j'aime beaucoup ma méthode à moi avec les poinçons. Voilà, donc là, j'ai un carré que j'enlève. Je le replace ici, comme cela. Et je redécoupe. Non, ça n'a pas bougé, ça va. Voilà. Donc là, j'ai mon gabarit. Non, j'enlève pas tout de suite ma machine, puisqu'en fait, je vais également me découper dans mon papier blanc un carré de même taille. Voilà, je vais pouvoir le mettre dans ce sens-là. C'est toujours mieux d'avoir comment dire, quand on a un poinçon avec une bande, vous voyez ici avec des grands côtés, il vaut mieux pas le faire aller parallèlement au rouleau de la machine quand c'est possible, mais plutôt en pointe ou sur le côté. Là, je découpe mon carré exactement de même taille. Et là, cette fois-ci, j'en ai fini avec ma machine. Voilà, donc j'ai ça va être mon petit carré ici. Ça, c'est mon gabarit. Qui est là
Et là, je vais me munir de mon Stamparatus. Donc, le Stamparatus, qui connaît, qui ne connaît pas le Stamparatus de Stampin'Up? Dites-moi, dites-moi. Alors, attendez, il faut que je regarde vos commentaires, parce que si vous me parlez et que je ne vois pas vos réponses... Donc, le Stamparatus, c'est un outil qui va vous permettre de faire des tamponnages comme vous ne pouvez pas les faire avec des blocs acryliques ou alors ça va être plus compliqué. Le Stamparatus, c'est la vie, bah oui, c'est carrément le top. Alors, il est livré pas avec ce petit tapis, c'est un tapis qui est vendu à part. Mais avec celui-ci, donc vous avez un tapis mousse noir amovible, vous avez deux plaques transparentes amovibles également, et sous le plateau vous avez deux aimants très forts que moi j'ai recouverts avec une espèce de washi tape, mais plutôt fort en fait, hein, c'est pas du washi tape en papier, et ça permet de les attraper plus facilement. Voilà, donc j'ai mon tapis en mousse. Pourquoi le tapis en mousse? Parce qu'aujourd'hui j'utilise des tampons en résine. Les tampons en résine, il faut leur mettre une petite épaisseur supplémentaire, ce que permet le tapis. Voilà, donc j'ai mis mon petit tapis, je prends mon gabarit qui est là, je le mets dans le coin en haut, je vais pour ce projet attraper mes deux aimants. Alors la plupart du temps je n'utilise qu'un seul aimant, comme ils sont forts on n'a pas forcément besoin d'utiliser les deux, et là je vais prendre mon petit carré de papier que je vais positionner comme ceci. Donc en fait, c'est important quand on fait un motif en couronne de commencer avec son carré comme ceci, c'est-à-dire les côtés parallèles à son Stamparatus. Et on va choisir, alors là, moi j'ai choisi dans ce set de tampons, la petite branche d'aubépine, on va dire. Et je la place ici au milieu et pas dans un coin. Je la place ici au milieu vers le bord de mon papier. Je mets mon aimant ici et là je vais l'attraper avec une de mes plaques. Alors ce que j'ai fait d'un peu différent par rapport au modèle qu'avait fait Séverine, c'est que j'ai choisi de tamponner deux motifs sur ma petite couronne, ce qui est tout à fait possible. Alors, hop, je vais bouger cela. Quelque chose de très pratique, c'est qu'en fait, on peut utiliser un encreur pour stabiliser sa plaque. Ça a la bonne dimension. Donc là, je prends les couleurs que j'ai choisies, c'est les couleurs du papier à motif Eden toujours. Donc c'est simple en fait, il y a trois couleurs dans ce papier ou quatre si on compte le blanc il me semble. Donc épinette enivrante, soyeuse succulente, or, et je pense que oui on a du blanc également. Donc là je vais commencer par tamponner ici ma petite branche d'aubépine et voilà. Je vais ajouter les petites étoiles. Donc les étoiles, elles sont là. Et là, je vais les mettre comme ceci.
Et là, je vais attraper avec l'autre plaque du Stamparatus. Si à un moment ou à un autre, vous ne comprenez pas, dites-moi, répète Isabelle, s'il te plaît. Ou alors, attends, c'est quoi ce truc? Dis-nous, j'ai pas compris. Hein? N'hésitez pas. Voilà. Donc là, j'ai mis mes étoiles. Je me suis mis un autre encreur pour stabiliser ma plaque. Et là, je vais tamponner mes étoiles avec l'encre soyeuse succulente. Voilà. Et maintenant, en fait, je vais tourner à chaque fois mon papier d'un huitième de tour. Hein. On va en fait le faire aller dans chaque encoche au fur et à mesure. Donc je fais tourner mon papier et mes tampons, eux, ne bougent pas de leur plaque respective. Par contre, si je veux, je peux tamponner d'abord les étoiles et ensuite ma petite branchette. Alors, quand vous voyez avec les grands encreurs, ça arrive, hein, moi c'est vrai que j'aime bien quand je peux utiliser les mini stamping spots. On a de l'encre ici. Pas de panique, sauf si vous avez peur de vous tacher les mains, puisqu'en fait, la plaque ici, mis à part le tampon, la plaque ne va pas atteindre votre papier. Voilà, donc ma couronne. Elle commence tout doucement à prendre forme et je vais tourner à chaque fois et tamponner. Et avec les deux plaques, c'est très pratique parce qu'en fait, tout reste en place et je tamponne au fur et à mesure. Et c'est très très simple comme vous pouvez le voir. Et avec ce gabarit, on peut créer des couronnes alors sur tous les thèmes en fait, hein, suivant les tampons qu'on a, la taille de la couronne qu'on va créer, du gabarit. On peut mettre, bon là j'ai choisi de mettre deux tampons, on peut en mettre un seul, on peut en mettre quatre, on peut en mettre cinq. Alors quatre ou cinq, si vous avez un petit motif, je vous le déconseille, ça va faire très chargé. Mais si vous avez un format plus grand, pourquoi pas mettre plusieurs. Je vais vous montrer des exemples que j'ai fait pour la formation que je fais pour le Stamparatus. Je vais vous montrer ça. Non, j'ai pas encore tamponné celui-là, je crois. Voilà. On peut également, si en fait, si on a beaucoup de motifs, en tamponner certains 1 sur 2. C'est-à-dire qu'on peut ne pas les tamponner à chaque fois qu'on tourne, mais une fois sur 2. Alors, est-ce que ça vous plaît? Qui connaissait cette technique? Je sais qu'il y a des démonstratrices qui connaissent déjà cette technique. Dites-moi, dites-moi. Hop. Et voilà. C'est joli. Regardez, là, c'est parfaitement rond au centre. J'adore. J'avais essayé de tamponner avec la branche tournée vers l'intérieur. Je vous dis tout de suite, c'était pas joli. Donc c'est pour ça que j'ai mis avec la branche qui se tourne vers l'extérieur, parce que vers l'intérieur, honnêtement, c'était, voilà, c'était pas beau. Donc faut faire vos essais pour voir les configurations qui sont jolies. Oui, il faut que tu essayes, Françoise. T'as vu, c'est facile à faire, hein. J'aime bien vraiment cette technique. C'est assez waouh. Je vais vous montrer d'autres exemples de couronnes comme ceci. Alors, attendez, je vais d'abord ranger mes tampons. Je les remets en place. Ici.
Merci. Ah non, je voulais aussi tamponner mon petit message avant de refermer mon empereur. Et là, j'avais mis merci pour tout, puisque le tampon a la taille idéale pour aller ici au centre de ma couronne. Voilà, j'attrape avec ma plaque. Et voilà, waouh! Tu connaissais pas? Ah ouais, merci Andy, merci. T'as vu? C'est chouette, hein? Vraiment chouette. Alors, je vais vous montrer avant qu'on assemble la carte. Je vais vous montrer d'autres exemples de couronnes que j'ai fait récemment. Alors, on va ranger. Enfin, je vais pas ranger, je vais mettre de côté. Alors oui, ne pas plier ça comme ça parce que ça passe pas. Hop, alors mes petites couronnes, elles doivent être par là. Alors, j'ai plein de petites choses ici. Voilà, donc une couronne avec des fleurs. Ça, c'est une couronne qui a été faite, que j'ai faite avec ce set de tampons. Non, ça, c'est pas des couronnes. Alors, j'en ai fait une qui me plaît moyennement. Mais bon, voilà. Je vous montre. Donc celle-ci, ah, décidément, celui-ci ne veut pas rester. J'ai pas dû le mettre comme il fallait. Voilà. Donc celle-ci, j'ai fait avec le lot des fraises. Regardez, c'est les fleurs du lot des fraises. Donc là, en fait, j'ai tamponné un, deux, trois tampons. C'est-à-dire qu'il y a le contour de la fleur, l'intérieur de la fleur. Et là, regardez les petites feuilles. Comme j'ai dit, j'ai mis une fois sur deux. Je ne les ai pas mises 8 fois, mais 4 fois. Coucou Nathalie, OK pour le replay. Voilà, donc là, c'est le même set de tampons, mais avec en fait plutôt un thème automnal ou Halloween, hein, puisque j'ai tamponné 7 branches de feuilles ici, plus les petites chauves-souris. Là, toujours avec ce set de tampons, là j'ai fait la branche de houx avec les petits flocons. Et j'ai ajouté aussi la branche d'aubépine là, qui est là. Hop. Et celle-ci, qui fait plus Noël, enfin bon, voilà. Où là, j'ai mis carrément, là, je suis pas allée avec le dos de la cuillère, hein, la branche de pin, les pommes de pin, les étoiles et la branche d'aubépine. Oh, la totale. Voilà. Donc ça vous donne des idées de couronne, mais il y a bien sûr plein d'autres possibilités, comme d'habitude. Voilà, c'est assez incroyable les possibilités créatives qu'on a avec les produits Stampin' Up. Et moi, c'est aussi pour ça que j'adore Stampin' Up. Donc, on va assembler la carte. Où est mon ruban double face? Il est là. Donc, je vais d'abord coller ça sur mon papier doré. Alors, où est le bout du ruban? C'est toujours le truc. Il est là. Alors, Françoise m'a appris un truc l'autre jour en atelier. Alors, attendez, attendez, ne bougez pas. Bon, c'est ça que j'adore. Quand on fait des ateliers, que ce soit en live ou en vrai, il y a toujours une personne pour donner une astuce et moi je prends et j'adore. Donc regardez, regardez. Hop, je fais ça.
Je prends ma règle et hop. Et là, c'est nickel, c'est impeccable, ça salit pas les ciseaux. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez? C'est topissime, hein? Merci Françoise pour cette super astuce. En fait, à vrai dire, Françoise, je l'ai vu faire et j'ai dit, oh, mais c'est génial ton truc. J'allais le dire, prends une règle. Eh ben, tu vois, j'ai pensé à toi. Et voilà, je colle ici. Non, mais comment je vais faire sans la règle maintenant? Ça va. Toc. Oh, c'est génial. Super facile. Facile, efficace, nickel, clean. Enfin voilà, je ne tarie pas d'éloge devant ta ton astuce, Françoise. Hop, je colle ça comme ceci. Et maintenant, alors, j'avais découpé mon petit carré en soyeuses succulentes, donc c'était 6 sur 6, et celui-là c'est 5,5 sur 5,5. Donc là, on va prendre un petit peu de colle liquide. Ensuite, alors j'avais préparé cette fois-ci un petit ruban. C'est les rubans en satin léger, incolore qui sont au catalogue annuel. Et là, c'est la couleur soyeuse succulente. Et là, je vais faire un petit nœud. Vous savez, avec les oreilles de lapin. Hop, j'ai les petites oreilles de mon lapin. Les oreilles du lapin. Et hop. Il y a aussi avec la fourchette, les trucs comme ça. Alors moi, je dois être un peu débile mental avec la fourchette et les trucs. J'arrive jamais. À chaque fois, je fais passer dans le mauvais sens en premier. Voilà. Il faudra que je fasse un stage auprès de je ne sais pas qui pour utiliser les super choses que en fait Sandra nous avait offertes il y a quelques années. Sandra, ma marraine. Voilà. Alors, maintenant, où est-ce qu'il est? Il est là-dessous. Coucou gazelle, j'adore tes publis trop rigolotes. J'adore. Bon, des fois, j'aime pas trop, mais la plupart du temps, je suis morte de rire. Hop, voilà. Alors, je vais coller ça ici, un petit peu vers le haut. Pour mon nœud, alors pour pas qu'il se défasse, j'utilise des points, les mini points de colle. Voilà, mini glue dots. Donc je vais en mettre un ici. Alors où est-ce qu'il est tombé? Et j'en mets un autre. Ensuite, je colle ici en bas de mon petit carré. Et pour finir, la touche finale, les gemmes du jardin. Alors moi, les gemmes, j'aime. Oui, j'aime les gemmes. Vous avez vu le jeu de mots, il est totalement génial. Alors ces gemmes, en fait, elles sont irisées. C'est-à-dire qu'en fait, suivant l'angle de lumière, vous voyez différentes couleurs. Donc là, on a du vert, on a du violet, on a du jaune, on a du j'ai dit du violet déjà, je sais plus. Voilà. Et sur celle-ci, alors on a du vert, on a du rouge, on a du bleu profond. Elles sont magiques. Voilà. Les gemmes magiques. Tac.
J'en mets une ici. J'en mets une là. Alors celle-ci, voilà, c'est en série limitée. C'est-à-dire que si elles vous font de l'œil, ces gemmes, eh bien, bah, allez-y. Et si vous n'avez pas envie de tout acheter, il y a ma mini collection série limitée, Jardin d'Éden. Si vous voulez savoir à quoi elle correspond, ma mini collection, eh bien, je la publierai demain sur le blog, dans le replay. Voilà. Alors là, je vais peut-être ajouter. Regardez. Parce que là, j'ai pas serré beaucoup mon nœud. Je sens qu'il est en train de se défaire. Je le sens. Je vais lui coller une petite gloudotte ici en dessous. Et voilà. Il bouge plus. Pas bouger, toi. Hein? Oh, non mais. Voilà. Alors, quelle est votre version préférée? Plutôt clair ou plutôt foncé? Dites-moi tout. Dites-moi aussi si cette technique vous plaît. Alors j'ai le soleil qui a tourné, qui vient dans mon visage. Alors non, elles ne sont pas au catalogue annuel, Françoise. Elles sont en avant-première du pum-pum-pum. Je vais publier sur notre petit groupe des artistes ateliers. Tu préfères foncer, Marido? Oui, je vais publier en fait parce que c'est une collection en série limitée qui n'est dans aucun catalogue. Voilà. Donc je vais publier ça sur le. Oh bah oui, ah oh, bah oui, il y a du soleil sur le petit groupe. Et sinon, vous pourrez retrouver ça demain dans l'article de blog que je vais publier. Et pour illustrer la technique d'aujourd'hui. T'aimes les deux, toi? Bah ouais, non, mais c'est vrai, moi aussi, je ne sais pas lesquelles je préfère. Je crois que je préfère la claire, moi, quand même. Je préfère la claire. Je me cache. Ouh, je ne sais pas si vous voyez. Alors, je vous remercie d'avoir suivi mon live. Je vous dis, alors, on va peut-être se voir vers le 15. Vers le 15 décembre, le jour du tirage au sort, pour savoir qui a gagné, je ferai un petit live. Et puis sinon, ça sera janvier. Je vous dirai à quelle période, parce que j'ai pas vu quand est-ce que ça tombait le premier jeudi du mois de janvier. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci d'être fidèle à Artiscrap et à bientôt.